Bonjour, Veuillez vous présenter, s'il vous je plaît. suis le docteur Omar Teba Tabalde, je suis chirurgien, fondateur de la polyclinique de Gomé, Siza Simbaya, à Kouda. Docteur, on sait aujourd'hui, c'est jeudi 7 mai, jour de la marche de l'opposition. D'habitude, vous accueillez ici quelques blessés. Aujourd'hui, faites-nous un peu le cas des blessés que vous avez accueillis dans votre clinique. Aujourd'hui, nous n'avons reçu que 4 blessés. Et c'est en fait des blessures légères. Et les deux premiers, c'était des blessures par balle au niveau des membres inférieurs, au niveau des genoux. Bon, heureusement, ce n'était pas des plaies très profondes. On a fait les soins, on les a libérés. Et on vient tout de suite de recevoir deux autres. L'un dit qu'il a reçu un coup de matraque sur le front. Et le second, c'est aussi par les gendarmes. Et comment vous arrivez à gérer ces cas de blessures que vous recevez pendant les manifestations? Bon, je les gère personnellement à partir de mes propres moyens. Et ça, je n'ai pas commencé maintenant, j'ai depuis toujours, depuis 2007. Et je fais ce que je peux et ce que je ne peux pas, je fais référer et au niveau du CHU. Il est arrivé que des médecins sans frontières assistent et nous apportent des kits. Bon, mais ça, c'est un peu dans le passé. Voilà. Okay, merci. Merci, docteur.